Ah. Ouh là là. Donc, je suis en quête pour... Oh, il y a ça. Ah, ça va, ça me va, ça se passe en ville. M'expliquer. Des questions? Je m'appelle Bijin, je suis chasseur. Wibanna est mon partenaire. J'espère qu'il ne vous a pas parlé de rats. Ces sales bêtes le rendent dingue, j'en ai bien peur. Des rumeurs? Hey, mais ce ne serait pas vous qu'on appelle le héros de Gvatch? Oui. Bref, passons. Le lieu dit ici même. Oui, Bamna vous a peut-être raconté pourquoi nous avons tant de rats à Leyawin. Non. Ce n'est pas si terrible que ça. Il en tue depuis des mois. D'accord. Je vais aller lui parler. Prenez soin de vous. Merci bien, toi aussi. Ouh, on ne voit pas grand-chose par ici. Excusez-moi du peu, mais je vais faire un peu de la lumière, là. Vache. Je m'appelle Wimbamna. Que voulez-vous? Bien bonjour. Des rumeurs? Quand on cherche du travail, la guilde des guerriers, ce n'est pas un mauvais choix. Je me suis laissé dire qu'elle était toujours à la recherche de nouvelles recrues. Oui, ça m'étonne pas. Ici même, vous en pensez quoi de cette ville? Vous avez vu les rats du coin? Ça me rend dingue. Ce type a ouvert un restaurant en pensant que c'était le meilleur moyen de devenir millionnaire. Et qu'est-ce qu'il sert? Rat à la crème, rat flambé, rat à la nécromancienne avec sauce aux ossements, rat frit, rat au citron et riz sauvage. Ragoût de rat accompagné de poudre de pénis de cerf. Évidemment, quand les gardes l'ont appris, ils l'ont vite chassé hors de la ville. Mais ils ont laissé les rats, ces sales rats. Eh ben dis donc. Punaise. Bon, il y a un différend avec Mazoga l'orque. Que signifie? Et alors, une orque veut me voir. Et en quoi cela peut-il m'intéresser? Est-ce que je vous aime tellement que je dois vous rendre ce service? Peut-être que je ne vous aime pas beaucoup. Alors je n'irai pas. Ça peut s'arranger. Très bien. Laisse-moi te découvrir. C'est trop d'honneur. Ah, l'admiration, tu aimes bien. Vous devriez avoir honte. Tu n'aimes pas la plaisanterie? Vous gaspillez votre salive. Tu veux pas qu'on aille te contraindre? Vraiment? Intéressant. T'aimes que je me vante et que je t'admire. C'est tout trouvé. Ne m'approchez pas. J'aimerais pouvoir en dire autant. Vraiment, vous savez y faire. C'est pire. Vous gaspillez votre salive. Sur ce coup-là, oui. Bien joué. Seigneur, que voulez-vous que je réponde à ça? Vraiment, vous me répugnez. Mais non. C'est remarquable. C'est trop d'honneur. Oh, je vous en prie, vous me répugnez.
à jouer. Ne m'approchez pas. Vraiment ? Ce ne sont que des paroles en l'air. C'est remarquable. Je vous en prie, vous me mettez dans l'embarras. Vous gaspillez votre salive. Vous me répugnez. Mais t'as fini, oui. Très bien, pigé. Alors, reparlons de l'orque qui veut voir. Je vois. Alors comme ça, une orque du nom de Mazoga veut me voir. Et elle s'attend à ce que j'aille à elle. Je ne la connais pas. Ce serait plus intelligent de l'ignorer. Mais je n'ai jamais rien appris en agissant intelligemment. Et vous m'avez l'air d'un drôle de coco. Alors je pense que je ferais mieux d'aller voir de quoi il s'agit. Merci. Je peux t'accompagner ? Bonjour. On va y aller ensemble. Allez dire à Wibamna que je veux le voir. J'attendrai ici. Il arrive. Allez lui dire que je veux le voir. Tenez, tout de suite. Il arrive. Bougez-vous un peu. C'est déjà fait. Vous voulez me parler ? C'est vous, Wibamna ? Oui. Je veux aller au roc du pêcheur. Où est-ce ? Le roc du pêcheur se trouve au nord de l'Eyawin, à environ 6 heures de marche sur la pointe de la rive est de la Niben. Amenez-moi là-bas, tout de suite. Je suis pressé. Pourquoi ? Ce sont mes affaires. Si vous ne me dites pas pourquoi, je ne vous emmènerai nulle part. Allez en enfer ! Alors, Webena a parlé à Mazoga, elle va peut-être enfin pouvoir me dire ce qui se passe. Wibamna refuse de m'emmener au roc du pêcheur. On peut pas dire que tu sois diplomate. Parle-moi du roc du pêcheur. Wibamna refuse de m'emmener au roc du pêcheur. Vous savez où ça se trouve ? Oh oui. Ah, une furasse comme toi, tu vas m'accompagner. Je vais te mener en bateau, c'est le cas de le dire. Oh là là, tu vas m'aider à patater du monde, ma grande. Amenez-moi là-bas, tout de suite. Avec plaisir. Mais pourquoi ? Allez. Ce type, Mogens Changevent, il campe au roc du pêcheur. Alors vous m'emmenez jusque-là, je lui parle et nous verrons bien ce qui se passe. Vous m'entendez ? Je lui parle d'abord. Je vous interdis de lui fracasser les dents ou de lui couper la tête, c'est compris ? Ça me va parfaitement. Je comprends, suivez-moi. L'Argonien dit que c'est au nord de l'Eyawin, à environ 6 heures de marche sur la rive est de la Niben. Allons-y. Ouais. Ça me va. Suivez-moi. Ne restez pas là. Je suis juste derrière vous. Bon, bah alors attends-moi. Venez ! Qu'est-ce qui vous arrête ? Je rendre compte au con. Qu'est-ce qu'on attend ? Bonne chance avec Mazoga. Je répondrai d'un soupir. Des rumeurs avant que je te laisse, mon cher Wibamna ? Quand on cherche du travail. Oui, non, je... Non. On traverse la rue, hein, c'est... Prenez soin de vous. Merci.
Comment allez-vous? Oh, moi, je ne sais plus comment je vais. À part de l'avant, bien sûr, je suis aventurier. Elle est bonne, celle-là, pour la dernière partie. Oh merde, le comte est absent. Bon, bah, je lui ferai mon rapport à son lever. Bon, tu me suis, ma grande? Amenez-moi jusqu'au roc du pêcheur, tout de suite! Oui, tu sais que t'as un gros pif. Ne restez pas là. Je suis juste derrière vous. Qu'est-ce qu'on attend? Quelles sont les nouvelles? C'est à quel sujet? Oh, nul sujet. Qu'est-ce qu'on attend? Pour faire le Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais à pied pour les deux quêtes et je retrouverai mon cheval une fois que je reprendrai la route de la capitale? Oh, je sais pas. Passe la nuit à la guilde des voleurs. À la guilde des mages. Et ensuite. Je pense qu'il serait bon qu'elle m'accompagne dans l'autre guerre. Après tout, c'est en chemin. Je sais même plus où est la guilde des mages. Je suis sûr que c'est une bastide qui se distingue en hauteur. Ça doit être par là-bas. J'apprenne à mémoriser les temps. Ah, c'est pas celle-là? Je crois que si. Ah non, c'est une auberge. Voilà. Bon. À force de faire des allées et venues, je vais finir par mémoriser les lieux. Bonjour, associé. Salutations, compagnon. La gaille forme les mages de haut rang à la pratique du mysticisme. Ce qui me paraît. Attends. Courrier du cheval noir. Donc c'est le courrier officiel de tout leur royaume. Rude compétition pour la guilde des guerriers. Aussi loin que l'on s'en souvienne, la guilde des guerriers a toujours été une institution tamrielle. Ces hommes et ces femmes de courage ont depuis toujours été disponibles pour faire le travail que le citoyen moyen n'est tout simplement pas en mesure d'effectuer. Qu'il s'agisse de débarrasser un propriétaire d'une invasion de rats ou de porter secours à un érudit égaré, la guilde des guerriers a toujours été disponible pour ceux qui sont en mesure de payer la modeste somme requise pour ses services. À présent, toutefois, il semble que la guilde des guerriers ne soit plus seule en ville. Un nouveau groupe fait récemment parler de lui en Cyrodiil. Ceux qui se font appeler la Compagnie de Bois Noir ont fait savoir qu'ils étaient en mesure de prendre en main toutes les tâches effectuées par la guilde des guerriers, ainsi que de nombreuses autres que celle-ci refuserait.
Tandis que la guilde des guerriers a toujours maintenu des normes très strictes à la fois sur la qualité de ses membres et la légalité des contrats qu'elle accepte, la compagnie des Bois Noirs n'annonce rien de la sorte. Ils n'ont aucune procédure de sélection avant d'admettre de nouveaux membres, et ils semblent pas accepter n'importe quel contrat, pour peu que le client puisse en payer le prix demandé. Certains ont remis en question les méthodes de la compagnie Bois Noir. La rumeur veut qu'ils soient imprudents et manquent de discernement. Nombre de témoignages font état de dégâts inutiles occasionnés à des individus ou à des biens durant l'accomplissement d'un contrat. Aucun de ceux à qui nous avons parlé n'était désireux de s'exprimer officiellement sur le sujet dans le cadre de cet article. Le futur de ce groupement récent est encore flou. Constitue-t-il la solution parfaite dans un monde en évolution constante? Les méthodes forceront-elles la guilde des guerriers à se montrer moins regardante sur les contrats? Seul l'avenir nous le dira. D'ici là, si vous avez besoin de voir une tâche accomplie et que la guilde des guerriers refuse de vous aider, contactez donc la compagnie de Bois Noir la plus proche de chez vous. Ok. Puis en parallèle, des recherches très poussées sur les contrats. Je ne comprends pas le cas de sa fascination pour le temps. Il est indéniable qu'il sait vraiment ce qu'on doit savoir sur la justice. Prenez soin de vous. Qu'y a-t-il, associé ? Non, rien, je cherche à l'île. Merde, c'est le bureau de quelqu'un, mais... Oui, d'ailleurs, c'est même un bureau sans lit. Donc ce n'est pas une chambre. Pareil ici. Oh, mince. Ah si, là, il y a un lit. Eh ben ouais. Ça me va très bien. Rien de tel qu'une bonne nuit de sommeil, une bonne grasse matinée pour faire le plein d'énergie. Je vais énormément me dépenser. Attends, nous avons la pudeur de fermer la porte. Hein? Pas vrai, Mazoka? Bon. Je crois que mon cheval va pouvoir les brouter l'herbe pendant encore de longues heures. Je vais aller à pied avec ma zone. Que je vérifie la masse que je peux porter. Ouais, je fais appel à... Oups. Un peu de pudeur, je vous prie, ma chère Gwendoline. Voilà, en fait.
sont impressionnantes. Hôtel du comté. Ouais. Il doit bien y avoir une issue sur le côté, je présume. Voilà la porte. Alors, on va d'abord aller au fort sans bleu. Et seulement après, nous irons dans la quête. Ah ! J'ai le mauvais temps, enfin du moins l'averse. Mais elle me suce la petite. S'est arrêté devant la porte de la ville. Bah alors ? Amenez-moi jusqu'au roc du pêcheur, tout de suite ! Oui, mais tu me suis ! Ne restez pas là ! Je suis juste derrière vous ! On est d'accord. Merci. Qu'est-ce qu'on attend ? Ah ! Merci. Des herbes de morue ici. Sous certains plans, ouais, on dirait un peu morue. Pourtant, nous y sommes loin, nous sommes même à l'opposé. Aucun commentaire sur la météo. Je
la repérer. Pourquoi la dégainer? Elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Mazoga est morte. Ok. J'ai un problème. Où est-ce qu'elle est cette pluche? Recharger une sauvegarde plus ancienne et me retaper tout ce que j'ai. Oh là là. L'intérêt de faire un jeu de plusieurs sauvegardes. J'ai aucune idée où est-ce qu'elle est cette gourde. Oui. Je change de quête. Oui, ça m'indique où je dois aller. Mais ça ne m'indique pas où elle est. Pareil quand on me dit que j'entends un cri.
Pas le temps de parler. Il faut que je livre ces exemplaires du courrier du cheval noir. Tenez, en voici un exemplaire. Les rituels de la mer de la nuit sont de plus en plus nombreux. Ok, merci, tu ne seras d'aucune utilité. Bon. Eh ben tant pis, je rembobine de 10 minutes. Oh punaise, mais quelle gourde, c'est pas possible. Enfin, je me demande vraiment qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Mais quelle mouche l'a piqué ? Oh ! Bon, cette fois-ci, je vais faire en accéléré parce que je perds patience. Voilà. Comment franchir une porte sans dégâts ? Alors, la bonne quête. Hop là. Voilà, merci. On se barre. Aussi rapide que moi, je vais lui faire perdre de la graisse, moi, alors je te le dis. Regardez-moi cette vitesse de déplacement. On dit, on dirait manière de Minecraft, c'est vrai en plus. Bon, est-ce qu'elle est avec moi ou pas? Elle est avec moi, magnifique. On renonce même au genre d'humain à la vie des fleurs. C'est quoi ce que je ne peux pas les ignorer. J'espère qu'elle me suit. De refaire les 10 minutes en 2 minutes. Si ça c'est pas beau. Voilà. Alors j'ai plus du tout d'endurance. Ma barre vide est à 0, vu tout ce que je dépense en énergie. Astucieux. Dis-moi qu'elle m'a rejoint. C'est quoi ? Ah, c'est quoi ? Mais c'est balèze. C'est faisable, mais c'est balèze.
je crois que je vais en avoir besoin. Oui, le regain de fatigue pourrait être sympa. Non, pas de magie. Ah merde. J'y ai droit, je suis en joie. Ah, est-ce que je peux... Ah oui, allez. Et que vous vous videz de votre sang, normalement. Eh ben voilà, c'est comme ça que je t'aime, Mazoga. Permets-moi de souffler un coup. Quelle aventure, n'est-ce pas? D'ailleurs, un peu de lumière. Tant que je peux, je les sors là par défaut. Tant que j'en fasse usage. Je pense que je peux le faire sans. Parce que si j'utilise trop mes bonus tout de suite, je risque de me mettre dans la mouise plus tard. J'ai l'impression. Je me trompe. Alors l'aventure, c'est bien, mais avec des compagnons, c'est bien mieux. Punaise, mais qu'est-ce que c'est que c'était difficile. C'était quasiment une vie, hein, c'est pas possible. Je sens qu'on va avoir de la compagnie et pas qu'un peu. Et merde. Où est-ce qu'elle est, ma petite?
regain de fatigue, regain de magie. Non, j'avais regain de santé et de. Voilà. Je peux pas que je suis en situation de combat, je peux pas. Ma chance, j'apprécie. Mais j'aurais essayé. Merci. Qu'avons-nous là ? Sympa. Où est-ce qu'elle est encore passée ? Elle est restée en haut ? Elle a le droit de rester là. Si j'ai besoin de renfort, je sais. Ça va être compliqué.
l'impression qu'elle peut pas me suivre, une gourde. Bien. Combien sont-ils ? Rêve d'avoir soit un artefact qui permet de récupérer très légèrement ma santé dans le temps de manière certaine, ou alors avoir un sort à faire qu'en une seule fois et que pareil dans le temps ma barre de vie remonte. Si je restais appuyé comme un niveau à faire une chorégraphie comme si j'étais un ancien professionnel, ça finit par me gaver. Ça a été un bon usage de la... Difficile. Alors, je vais m'amuser en récompense à faire tous les coffres. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il y a forcément une raison.
pas de dépecer là. J'ai la fortification de la personnalité ou pas? Avec pas mal de graisse de troll. Qu'en est-il de mon armure? Oh, quel abruti! Je suis resté en habit diplomatique. Mais quel idiot je fais! Et mes gants de maille y sont passés. Ah là 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 là. Combien de fois me ferais-je avoir? Bon. Ah, soupir. Bah tu vois quand tu veux, tu m'accompagnes ma grande. Je trouve que je descends vachement en profondeur. Ah.
compagnie. Ça pique un peu, mais c'est efficace. Alors ça, c'est pas cool. Vas-y, couche-toi. Couche-toi. Viens faire un câlin, quick. Ah là 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 là. Elle est étrange. Aïe 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 aïe. Sur elle? Non. Étrange. On va recharger évidemment. Et je pouf, il disparaît. Ah non, pas encore. Ah, voilà. Tellement marrant. Amenez-moi jusqu'au roc du pêcheur, tout de suite! Comment je peux faire? C'est con, j'ai pas le toucher apaisant pour te régénérer à volonté, ma grande. Je le regrette, crois-moi. Attends-moi ici. Venez! Qu'est-ce qui vous arrête? Ta faiblesse. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Ah, si c'est fait. De lumière.
Géad. Qu'est-ce que c'est? On dirait un énorme... une énorme pierre psychique. Qui m'attendent devant la...
faire ça, ça peut être drôle. Hein. Ha ha ha!